Salut tout le monde, c'est Darkbon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft sur Greenberry. Donc aujourd'hui on va construire une maison. Donc pour construire cette maison, on va peut-être s'éloigner un petit peu. On va voir pour les ressources après. Donc pour s'éloigner, hop, heureusement que les mobs vont pas m'attaquer. Donc pour s'éloigner genre, tout simplement, je sais pas où exactement, ouais, ici peut-être. Ouais, là on va dire. Et du coup ça devrait être bien, genre on se met à peu près là. Sinon on a peut-être un home du désert. Paradise. Hop. C'est pas un home hyper plat non plus. Ça fait un home assez beau quand même. Peut-être que là c'est plat, donc je vais voir si c'est plat. Et effectivement c'est un peu plus plat en vrai. Donc là ouais, je peux aménager le terrain. Je peux très bien l'aménager, donc je vais aménager le terrain et puis je vais vous retrouver. Ok, donc là je fais avec mon outil, on est en couche 71 et tout simplement je vais voir en face. En gros c'est couche, voilà, 71 à balayer. Donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite après. Allez, est-ce qu'on va réussir à l'apprivoiser? Ouf. Oh. Oh. Ah, merci. Allez, meurs. Oh yes, t'es sympa toi, je crois. Et qu'on peut le nourrir avec ça, non? Je sais plus. Ouais, avec ça. Voilà. Oh, regardez-moi ce beau chien de compagnie. Bon, je pense que c'est bon, j'ai assez étalé. Voilà. Parce que je veux pas non plus tout ratisser pour tout mettre plat. Là, on va juste enlever un peu d'herbe, de mauvaises herbes. Hop. Et puis, ça m'a l'air ok. Donc là, on va se mettre par là. Je vais tuer genre tous les mobs avec mon petit chien. Je sais pas comment on va l'appeler s'il meurt pas. Et voilà, et je vous retrouve après. Bon, écoutez, pour que ça soit plus rapide, je mets le jour carrément. De toute façon, je suis seul pour le moment quasiment sur Greenberry, donc ça va. Ils se connectent pas souvent les deux autres, c'est pas grave. Donc voilà, on tue juste ce creeper et puis on va commencer à voir quelle maison on pourrait faire. Alors, quelle maison est-ce qu'on pourrait faire du coup? Comment ça? Moi en train de regarder le guide de construction en train de regarder pour les tutos pour faire maison. Moi je sais pas faire ma maison. Ah ouais, moi non, mais j'ai jamais eu ce livre dans les mains. Jamais. Qui veut le prouve d'ailleurs, je ne suis pas Harry Potter. J'ai jamais été Harry Potter. Donc j'ai jamais eu ce livre dans les mains. C'est Harry Potter qui l'a eu. C'est Harry Potter qui l'a eu. Donc pour cette maison, il nous faut en premier de la cobblestone. Donc la cobblestone, il y en a. On a de la stone en vrai ici, mais sinon on en a peut-être par là. Cobblestone. On va déposer la terre. Ouais, non, on va le déposer au Home Paradise. Voilà. On a peut-être d'autres bouts de cobble ici. Hop. Voilà, ça m'a l'air nickel. On échange contre la canne à sucre. Ensuite, on échange contre des os par exemple. Ouais, on va laisser les plantes au hasard. Ça aussi. Voilà, donc là il nous faut aussi de la bouffe en plus, parce que là la bouffe on a quasiment rien pour manger. Betterave, je sais pas si c'est suffisant. Bah, un seul, c'est pas franchement utile de prendre une seule côtelette de viande. C'est pas tellement utile. Là non plus il n'y a pas grand chose. Il y a juste du pain, mais c'est pas ouf, ça augmente pas énormément. Ok, on en a deux. Voilà. Ah, dans ce coffre il y a de quoi faire la maison de base, c'est vrai. J'avais oublié de mettre les ressources là dedans d'ailleurs. Donc là on avait besoin de planches aussi, des planches normales. Donc ouais, donc je vais essayer de me récolter quelques-uns des éléments pendant la vidéo.
Voilà, et du coup, vu que je fais un peu plus de montage là, ça sera la vidéo plus courte, logiquement. Je verrai bien combien ça mettra de minutes à peu près pour ajuster après la quantité de montage à faire. Et du coup, voilà, ça devrait être bon après. Donc, on a du bois normal à prendre, ensuite on aura du bois, du bois, ensuite du sable pour du verre et des torches à faire. Ok. Je retiens ça. Donc, le bois normal, c'est le bois de chêne, le bois de base en fait. Voilà, comme ça on s'en prend, on s'en prend pas mal de bûches, genre combien de stacks? Perso, moi je dirais en brut, le nombre de bûches déjà par rapport à la maison que je vois devrait y en avoir un stack et demi deux, ou deux stacks, mais ça c'est juste en brut en fait. Merde, non, c'est pas le même type d'arbre ça. Si, c'est le même. Bon, ok, c'est le pack de texture. J'avais l'impression que c'était pas le même que celui à côté. Je crois que c'était un arbre de la jungle en fait. Je croyais ça, donc voilà. Pour moi, ça ressemble à ça, donc voilà. Par rapport à l'autre. Bon, bah moi je vais couper toutes ces bûches. Je pense que couper les arbres ça va permettre d'avoir des pommes en plus pour du coup pour l'or en fait qu'on a eu tout à l'heure dans le four qui est cuit pour pouvoir faire des pommes dorées tout simplement. Et je sais pas si j'ai des zombies villageois, mais si on trouve des zombies villageois je sais plus si on a un village aussi d'ailleurs, vu que ça fait un peu longtemps que j'étais plus allé sur cette série. Je crois qu'on a on n'a pas trouvé de village il me semble. Mais du coup, si on trouve pas de village, toujours, et qu'on a des zombies villageois, on pourra se faire des villageois au moins pour faire des échanges en fait, d'émeraudes et tout ça. Et ça pourrait être plutôt cool. Vu que les pommes d'or avec, enfin une pomme d'or avec une potion de faiblesse jetable, ça permet de faire transformer un zombie villageois en villageois normal. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous verrez bien. Et sinon c'est juste genre potion de faiblesse jetable, vous la jetez sur le zombie villageois et puis juste direct après vous essayez de lui faire clic droit avec la pomme dorée sur lui, donc comme si vous faites manger un truc à un animal en fait, un truc du genre. Comme si je lui donnais une carotte et voilà. Bon là ah bah il s'accouple pas, je croyais qu'il s'accouplait avec les carottes en plus les cochons. Mais non, pas du tout. Donc c'est pas grave. Bon là on est à un stack et demi quasiment. Donc ça m'a l'air bientôt. Ok, bon là j'ai laissé l'arbre. J'avais la flemme de le couper en entier. Ça a pris beaucoup trop de temps là. Pour le temps qui me reste ce soir. Bon du coup on va en même temps pouvoir récolter tout ça. Donc les graines, si ça lag pas trop longtemps. On va prendre les graines et on va tout replanter ici. Donc à la limite s'il y a des lacs comme ça, j'essaie de vous reprendre à la fin du lac si j'ai le temps de faire le montage pour ça. Sinon de toute façon j'essaie de parler un petit peu pendant ce petit lag. Voilà, ces petits lacs que j'ai. Tout simplement parce que j'ai pas forcément le temps après. Sinon je vais me coucher à 5h du matin et me réveiller le lendemain à 6h du mat. Enfin le même jour à 6h du mat. Et autrement dire que c'est pas jouable du tout. Voilà, c'est impossible à faire. Tout simplement, parce qu'après je serai crevé de ma semaine. Et même chaque jour, je serai crevé. Donc, voilà. Alors, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai mis le bout de blé ici et écarté des autres.
entouré de, bah, de carottes. C'est pourquoi j'ai aussi trois établis. Bon, ok, c'est pas grave, on va pas se poser la question. Ah, mais j'ai une barre de connexion, c'est normal que je lag autant. Ok, bon, c'est pas grave, ça arrive tous les jours chez moi. Je savais même pas qu'ils avaient une queue dessinée comme ça derrière les cochons, enfin que c'était vraiment genre une queue. Je l'avais pas remarqué spécialement. Je fais pas non plus trop gaffe au skin derrière. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un nouveau skin. Donc, si je vous montre, hop, avec rien du tout, c'est le skin du professeur Koro dans la série, l'anime Assassination Classroom. Et du coup, bah, je l'ai pris parce que je le trouvais plutôt cool. L'anime et le skin aussi, plutôt pas mal. Donc voilà. Bon, on va essayer de se faire buter par. Non, on va pas essayer de se faire buter. Qu'est-ce que je raconte? On va pas essayer de se faire buter. Putain, mais il va vite dans l'eau. Oh, il a trouvé un bypass. Le squelette, il allait un peu trop vite dans l'eau là. Bon, on a réussi à le tuer au moins. Bon, du coup, je sais pas combien de temps ça fait la vidéo, mais je vais bientôt l'arrêter, je pense. Donc, ensuite, après le bois, bah, on a encore du bois, tout simplement, plus que les bûches à prendre. Donc, je prends encore du bois. Et en plus, pour les torches. Donc, je pense que aussi la vidéo d'après, puis avant la vidéo d'après, j'essaierai de prendre un peu plus de bois. Si j'ai le temps. Voilà. Je pense que j'aurai le temps, j'espère. En tout cas, donc, voilà. Donc, je vais bientôt faire le trou, en tout cas. Ah, c'est un squelette. Hop. Tu vas. Non. Voilà, c'est bon. Tu meurs. Chute la mort. Trois fois dans cette vidéo. Bon, j'avoue, j'ai pas fait gaffe les fois où je suis mort. À essayer de rester vivant. Bon, où est-ce que j'ai coupé tous mes arbres? Parce que il me faut peut-être des pommes. Et il se trouve que si je perds l'endroit où je les ai coupés, ça va pas être évident. Merde, d'ailleurs, il est où mon. Oh merde, mon loup. Je l'ai abandonné au Home Paradise. J'ai pas envie de croire ça quand même. Eh! On va l'appeler Wolfie! Allez, Wolfie! Wolfie! Oh! Oh, mais c'est TP! Ok. Et si je fais. Bah, du coup, slash back. Est-ce qu'il va se re-TP? Je sais même pas s'il va se re-TP si c'est assez proche pour lui. Je vais devoir le ramener à la nage. Enfin, à pied sinon. J'essaierai de le ramener à la nuit pour la prochaine vidéo. Peut-être je fais un truc bypass en commande pour le ramener. En tout cas, il disparaît pas. Donc, on trouvera une étiquette, je crois qu'on en a. Et du coup, je vais trouver une je vais prendre une étiquette et je vais pouvoir le renommer pour pouvoir ensuite le téléporter avec son nom en plus. Et du coup, on va pouvoir mettre son nom Wolfie, le nom que j'ai improvisé tout à l'heure. Alors, voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo courte ou longue, je sais pas, ou moyenne, plus moyenne ou courte, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ergo. Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je dis à vos abonnés, j'ai dit le like. Donc, c'est très important, le like et tout ça. Donc, voilà. Donc, tchuss!